vraiment gros point, on va dire, il y avait le cyclope, mais surtout ça, surtout le nickel. Si j'avais un bon nickel, même si je galérais un peu sur le cyclope, bon, sauf si vraiment t'as pas du tout de pont dans l'épave et que tu dois aller chercher les deux autour, ça peut être la merde, mais bon, c'est dommage. Je pense qu'au moins je terminais la run et ça pouvait être un PB là. J'espère juste que ça va pas me le refaire, quoi, parce que c'est bizarre. En plus, j'allais dire, peut-être que je redémarre mon jeu, mais je l'ai redémarré juste avant, donc. Allez, deux limes. Non. J'ai eu quoi? Un copper. Bon, ça devrait le faire. C'est une mauvaise première sortie. Mais ça rattrape. Le fait que ce soit un copper, ça rattrape. On continue. Si ça avait été un titanium, j'aurais pas pris. Putain, on avait eu des dents sub 11, hein. Ça m'est jamais arrivé quand même. En tout cas, pas depuis que j'ai repris le speedrun de Subnautica. Depuis 3 semaines maintenant, c'est la troisième que j'entame. Depuis que j'ai vraiment repris. J'avais pas eu de sub 11 depuis. Bon, on va tenter qu'il y ait du métal là-bas. Donc faut que je pense à en crafter qu'un, vu que j'en ai déjà crafté un. Je peux quand même en prendre 3, mais faut que j'en crafte qu'un. Alors, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on peut repartir par là parce que la base elle est par là-bas. Si on trouve du limestone au passage, on le prend. Ah, je suis full. Pardon. Alors, on a dit qu'une seule fois. Je n'arrive pas à rouler là-dessus. 1, 2, 3, ça je peux le prendre. Alors 9, 9, 9, 9, 10. 11. Douze. 13. 14. 15.
16. Prendre ça. Elle est où? 16, 16, 16. Donc il en manque un. J'ai eu un d'or, un d'argent. Petit 17ème, petit 17ème. 17. C'est 17. On en théorie fou. Et si j'ai assez d'énergie, je peux recraft un morceau de métal en plus. Ce qui là, ce n'est pas le cas. Donc tu vois, j'ai bien fait d'en craft qu'un. Là on en fait deux. Là on en craft ça et deux comme ça. Et merde. On va récupérer le reste. Hop. On vire ça et ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, 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 six, six, sept. 8, 9, on récupère un morceau de métal si on peut en trouver un. Ah, je suis full. Donc je perds du temps pour rien, j'aurais peut-être pu vérifier avant. En même temps, c'est pas souvent que ça m'arrive. Alors on met ça dedans, ici on met tout le reste, on sort, on fait le glitch du locker, donc on a dit qu'on avait vu deux morceaux de métal là, 1, 2, un, deux. Allô. Je crois que je suis plein, mais je peux. Ouais, ok. Ok. Alors. Où est-ce qu'il y a du monde? Il y en a un là. C'est tout. Un. Oh, il y a lui qui vient par là aussi. C'est quoi? On va mettre ça au milieu là. Alors on va chercher un peu de métal par là. Il nous faut de limestone, un truc de sel. Il y a du métal là, du métal là. Un truc de sel là. Et un deuxième limestone.
Alors, on a une dent. On a une dent, on a une dent. On a une baie. On va aller voir vite fait là. On a du métal. Hop, c'est toujours bon à prendre. Est-ce qu'on a une dent en avance? Tiens, tu me veux? Suis-moi. Voilà. Hop. Maintenant, je t'esquive. Hop, on récupère ça. Toi, tu dégages. J'étais sûr qu'il m'en avait reposé ici. Pas trop dedans, là, hein. En tout cas, tu vois, je remarque que depuis le temps que je suis en train de les farm, là. Oh putain, je croyais que c'était dedans. On n'est même pas encore à 11, donc ce qui veut dire que je suis quand même bien plus rapide. Enfin, bien. Je suis plus rapide sur, sur le début de la run. Dégage, il me saoule lui. Par contre, ce serait quand même bien de s'exciter un minimum le boule. Parce que là, c'est pas que je suis en galère dedans, mais un petit peu. Tu vois, là, on avait déjà les 4 dents la partie d'avant. Là, on en a 2. Enfin, au même stade, j'avais 3 dents de moins, quoi. Ça ferait plaisir. Oh, je t'avais pas vu, toi. Donc, on a deux véhicules. Deux bêtes véhicules, plutôt. Ok, on en a 3. Et on en a 4. Il m'en manque 3 petits morceaux. Est-ce qu'il y en a dans le coin ou pas? C'est un morceau ça? Non. 3. 1. 2. Est-ce que je peux en trouver un sur le chemin du retour? Je crois que c'en est un ça. Oui. 3, ok. Pas ouf, mais j'ai connu pire. Oui, hop, voilà. Donc ça c'est parfait. On déconstruit ça. Ah, j'ai pas de place pour déconstruire ça. Oui. Hein. Du coup, on peut le déconstruire maintenant. Ensuite, on fait 4 fois ça. On déconstruit. Hop, on peut faire ça. C'est trop chiant d'arriver à se caler. Ensuite, on met tout le reste ici. Hop, ici on met ça et ça. Et du coup on remarque qu'on en a 6. Non d'ailleurs. 6.
Donc j'ai besoin que de 6 cuivres. Et j'ai pas regardé pour le plomb, mais on en a toujours assez. Alors il me faut 8 morceaux de métal. Un, deux, trois. Ah, parfait, la dernière. Trois, 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 quatre. Quatre, 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 cinq. Allez, plus que trois. Six. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8. Ok. Ah. On récupère de l'oxygène et piou, on plonge. Donc j'ai dit que 6. Alors autour du poteau, des fois, il y en a. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Un autre, on ira voir de l'autre côté après. Oh bah, il y en a plein même. Ça, c'est une bonne cave. Ok, et il n'y en a pas là. Ça, c'est rare par contre. Qu'il n'y en ait pas un seul ici. Alors, si je dis pas de bêtises, il y en avait par là, non? On va revenir. Alors, on drop tout ça. 4. Donc, il manque que 2 cuivres. Que 2 cuivres. Ça, j'ai pas besoin. 1. Donc, il ne me manque qu'un cuivre. Un seul cuivre. Ok, je peux virer ça. 4, 5, 6, 7. Ok, j'ai ce qu'il faut. Hop. Éviter de s'en prendre plein le cul. Alors, j'ai dit que j'avais plus besoin de ça. Ok, ok. Normalement, tout ça, on est bon. Ici. Hop. Hop, 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 hop. Des fois il y en a autour. Là il y en a pas. On va aller là. Hop, 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 hop. Alors, toi il me faut. Alors 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, wouhou, on a tout. On se casse. On va d'abord en bas. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on commence par faire 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Ça fait 1, 2, 3, 4. On pose tout le plomb. On prend tout le capla sauf 1. 1, 2, 3, 4. 1. 2,
On prend la fibre, on se casse, on déconstruit celui-là. On remonte en haut. On essaie de pas louper l'entrée si on peut. On enlève la bouteille, on prend tout le métal qu'on peut. On craft un morceau de métal. Ensuite, on craft la bouteille. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on prend ce qu'on peut. Putain, ça c'est con, ça va direct sur toi, mais ça prend quand même 4 slots. Putain, donc même si ça va direct sur ton personnage, ça prend en compte qu'il te faut l'espace dans ton inventaire. Ça c'est très très con. Ce qui n'est pas le cas par exemple avec les bouteilles d'oxygène. Enfin, je crois. Ok. Hop, on a un morceau. Alors il faut que je prenne ça. Il faut ensuite que je repose tout le reste ici. Ok, ok. On peut déposer ça là. On refait le storage glitch. Je suis fort silencieux. Je fais que de parler. Tu rigoles ou quoi? Je décris tout ce que je fais. Allô. Ok, 8 morceaux de métal. 1. 2. Merde, je crois que ça en était 2. 3. 4. 5. On fait pas du zigzag, c'est ça qui est bien. 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8 et 9. On balance tout à la base. Il y en a un qui reste sur nous. C'est très très bien. Tu rigoles? Je fais que de parler depuis tout à l'heure. J'ai pris mes packs de soins. Oui. On a un moteur. Oh, je fais que de parler. Je décris tout ce que je fais depuis tout à l'heure. Plus ou moins. Je compte tout et je dis tout ce que je fais à haute voix et tout ce qui me manque à haute voix. Donc ça a dû bugger pour toi. Hein. Bon, j'ai eu un moteur, un pont. C'est pas mal. C'est un peu comme la game d'avant. On va assurer le coup. Et prendre un... pack maintenant. On va essayer de faire un bon setup. Je préfère prendre un peu le temps, mais être sûr. On prend un dégât là, volontaire. On prend un dégât là, volontaire. Ensuite, 2679, c'est toujours le code. On grappe ça, on saute dedans et on suicide. On réfléchit pas et on va craft le métal si on arrive à prendre la porte. On peut tout prendre sur nous. Hop. Comme d'hab, on ne craft que les petits morceaux. Ça a pas l'air trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Ça va être départ 25 encore. Au moins, j'arrive à être constant à départ 25. Alors qu'avant, c'était 27, 28 à chaque fois. Alors, il me faut un quartz, deux cuivres, ça, un, deux plomb. On en fait un autre. Je suis à combien là? 6, 7, 8. Il m'en manque que 2. 6, 7, 8, 9, 10, 6. Donc il m'en manque 1. Là, il faut que je fasse
ma batterie. What? Ah, putain. Non, je fais n'importe quoi. Voilà, faut que je fasse ça, ça, que je prenne un d'or, un lub. Donc un d'or, un lub, un capla, deux plombs, deux lingots de titane, 4, 5, 6, 7, un quartz. Donc j'ai même pas besoin de... Il me faut deux quartz en plus. Il faut que je refasse ça. J'aurais pu split en soi. Le coup d'avant, j'ai split là à ce moment-là. Donc il me manque que deux quartz. Donc ça veut dire que je suis en avance, tu vois. Je suis en avance par rapport au coup d'avant. Parce que j'avais split avant sur mon autre truc. 1 et 2 quartz. Voilà. J'ai déjà ma mobile véhicule B, donc j'ai pas besoin de regarder. Ça c'est très très cool. On check s'il n'y a pas un truc qui traîne par là. Il y en a un, donc il va rester plus qu'un moteur vu qu'on a déjà eu un à l'Aurora. Oh bah on a même pas besoin du moteur, tiens. Donc on aura besoin que d'avoir une moonpool, donc il faudra croiser les doigts. D'avoir... Oups. Un. Ok, ça je prends. Ok, non. Bon, je vais pas continuer de prendre ces trucs là. On va perdre du temps pour rien. Donc on n'a pas besoin de moteur, on a juste besoin d'une moonpool. Putain, il y a encore un moteur là quoi. Insane. Hop, je t'ai vu. 2. 2, 2, 2, 2, 2, il n'y a pas d'autre shell. 2, 2, 2, 2, 2.3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 non non 5 6 7 7, 7, 7, ça m'a l'air d'être à peu près tout. En même temps, c'est assez. Ça en prend. Ok. À chaque fois maintenant, je me fais croquer par lui. Hein, quand je suis ici. On va prendre de l'oxygène. Donc 7, je crois. On a dit 7 ou 8. Salut Thibaut, excuse-moi, je t'avais pas vu. Je suis dans une bonne run, je suis un peu concentré, excuse-moi. Comment ça va? C'est quoi le concept? Kev, je peux te laisser lui expliquer tout en détail? C'est un speedrun, après je sais pas si tu es familiarisé avec le speedrun. Putain, je sais plus si j'ai dit 7 ou 8, on va partir sur 7 pour assurer le coup. 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 11, elle est où la coquille? 11, 11, 11, 11, 12, 13, 13, petit 14e, petit 14e, 14. Ok, on va au-dessus des bulles. Hop, on balance tout à la base, en espérant vraiment pas en avoir oublié un. Ok, on peut en balancer 4. Et il nous reste que 2 moonpools. De moonpool, donc on prend un peu le temps vu qu'on n'a pas besoin de moteur, mais il nous faut deux moonpool. On a un, une plutôt, une. Ah, j'ai oublié de prendre le gel sac, une, et la run va sûrement mourir. Est-ce que j'en ai? Ah, il y en avait une deuxième là, autant pour moi, elle est pas morte. Je connais le jeu.
J'y joue aussi, d'accord. Bah, là, c'est un speedrun. En fait, le principe, c'est que j'aille le plus rapidement possible. Oh, mais il y avait une Moonpool là. Il n'y a pas de gel sac sur la route, malheureusement. J'aurais bien voulu, mais ce n'est pas apparemment pas le cas. Il y a un gel sac là. Ok. Le but, c'est tout simplement de terminer le plus rapidement le jeu. En faisant le minimum de choses requises pour le terminer. J'espère ne pas me retaper le même bug deux fois de suite. J'ai là. Toi, je te chope. Donc il m'en faudra un deuxième. Et on sera bon. Hop. On coupe la lumière. On prend ça. On continue. Mon record c'est 52. Ouais, bah tu peux le retrouver là-dessus. 52, je sais plus combien exactement. Je crois que c'est 40 quelque chose. Je te laisse vérifier au pire, 52 quelque chose. Après j'ai PB ce matin, j'ai fait un 48 quelque chose, mais c'était hors stream. Donc malheureusement, je n'ai pas d'enregistrement. Donc je n'ai pas de preuve. Donc ça ne peut pas être validé. Enfin, j'ai un screenshot, c'est tout ce que j'ai, mais bon, ça ne sert à rien. Donc j'essaye de reproduire. Et d'en avoir un. Ok, on a un nickel. Oh, on a deux nickels au premier spot. Ça, c'est pas mal. Après, ça veut rien dire. Ça reste du nickel. C'est bâtard. Donc, tu peux en avoir deux early. Et pas de troisième. C'est un nickel, ça? Non, c'est une shell. Bon, là, clairement, on va tenter de tracer. Parfait. On a un cycle de nickel parfait. Donc, hop, on fait notre moonpool. Bah j'y pensais même plus, tu vois, au bug. Le bug du mur, j'y pensais même plus. Je n'y pensais plus du tout. Alors, si je peux en trouver d'avance ici, j'en prends, mais que si c'est en haut, oh bah parfait. 2, 3, s'il te plaît. Donc 3 soufres déjà, donc il nous faut 4 kyanite et un soufre. 4 kyanite, un soufre. Ok, plus besoin de soufre que du kyanite. Oh, j'en ai vu un là, non? Oui. Hop. 3 et 4. Non, c'est à gauche que ça va se passer. On vient là. Maintenant, faut espérer ne pas se craquer. Sais pas pourquoi. Un coup, ça marche first try. Et un coup, ça ne marche pas, ce truc. Ok, parfait. Je suis content, je suis content. Même si je l'ai pas eu du premier coup, ni du deuxième. Quand tu commences à pas l'avoir en boucle, là c'est chiant, mais là c'est cool, ça va. Donc j'ai vraiment besoin juste d'un petit tic là. Ok. C'est sympa que la mort ne coupe pas le super seaglide. Ah si, 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 ça le coupe, hein. Je dois le reset up. Seulement à cette profondeur, en fait, ta base. J'ai pas envie de tenter le diable avec ma vie là. À cette profondeur, ta base elle prend instantanément l'eau en fait. Mais si, 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 hein, ça coupe totalement ton Seaglide. Normalement, j'ai assez pour mourir. J'ai un peu peur d'avoir peut-être trop, mais. Ça devrait le faire. Si j'ai pas, c'est pas grave.
Nickel. C'est pas mal. Ouais, troisième try pour le clip, ça va. J'ai connu Pierre récemment. Mais j'ai connu mieux, c'est ça qui est bizarre. Au début, j'arrivais à l'avoir. Je l'avais un peu practice et j'arrivais à l'avoir assez régulièrement. Donc je vérifie, mais normalement, 2 rubis, 2 gel sac. Ok, normalement, j'ai tout. Je vois rien. Je jouais plus le truc. Ouais, tu construis ta moon pool au B, c'est une des nouvelles strats qui est arrivée récemment. Qui a même pas une semaine, un truc comme ça. I asked them for this freedom, but they could not hear me. If you help us, I will give you freely what the others tried in vain. Donc on ouvre le menu parce qu'on peut le regarder pendant qu'on traverse la porte, ça nous permet de voir. 4 soufre, 4 distens, 3 nickels, 2 rubis, 2 gel sacs. Ok, on a nos 5 plantes, on a tout. Donc on fait directement les 3, 1, 2, 3. On y retourne. Pas que j'oublie d'ouvrir mon menu sur le chemin du retour dans le portail pour pouvoir remove ma bouteille d'oxygène. J'ai eu un pont, hein, c'est ça l'Aurora. Hein. Là on récupère le Super Seaglide. On hatch les babies. On déconstruit ça. On retire ça. Et on est bon. On essaye de pas louper la bouboule. J'espère en avoir oublié à la base. Normalement, c'est bon. Pour la moon pool, ouais, t'as juste besoin de rentrer et de sortir. Une fois qu'elle a pris l'eau. Ouais, c'est plus facile qu'un tube avec le hublot que tu dois déconstruire et construire à chaque fois, mais. Alors normalement tu peux clip à travers le mur en OOB pour passer par la droite et aller plus rapidement, mais vu qu'ici c'est ultra simple et ça marche du premier coup, pour l'instant je préfère faire ça encore. Parce que pour le peu que j'essaye 2-3 fois et que j'y arrive pas, ça fait pas gagner grand chose quoi, donc ça vaut pas le coup que je prenne le risque. Pas encore. La première fois que ça m'arrive de rentrer dans le mauvais endroit. Ouais, 1500, ça prend super vite l'eau. Si j'ai besoin de prendre
mon or, juste. J'ai besoin de venir ici, de déconstruire ça. J'ai besoin de prendre ça. J'ai besoin de poser tout ça. Ouais, on peut poser tout ça en soi. Nickel aussi. J'ai besoin de prendre ça. J'ai besoin de prendre tout mon argent. La pile. Et c'est tout. Et ça peut-être, je sais. Non, bah non, 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 j'ai pas besoin de prendre ça. Je fais n'importe quoi. Ok, juste la pile, l'or, le machin, tout le reste. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'espère, mais normalement c'est bon. On vérifie qu'on a tout, on a le quartz, ok, on est bon. J'ai perdu un petit peu de temps là, j'ai un petit peu cafouillé, mais ça devrait être bon. Dans tous les cas, c'est juste pour faciliter le craft derrière, donc c'est pas un gros problème si j'ai oublié. Voilà, c'est par là. Elle est où l'épave? Non, c'est pas cette épave. Putain, je suis où? Oh bah non, comment j'ai fait pour me paumer là? What the fuck? Hein? Je sais pas du tout où je suis. Oh, putain, non! Mais comment je fais? Je vérifie à chaque fois, putain, bordel de merde! Comment je fais pour me craquer? C'est par là? Putain! Par rapport à ce truc là, c'est par là, je dis pas de conneries! Ah, c'était putain, c'était à gauche. Désolé, mais là ça me saoule. Ça me saoule! Je l'ai travaillé ce truc là! J'ai dû prendre un caillou qui ressemblait à l'autre, qui était le mauvais repère. Fait chier. Fait perdre du temps pour rien. Ça fait vraiment perdre du temps sur un truc, mais débile, quoi. C'est complètement con de perdre du temps là-dessus. Je déteste faire ça en plus. Bon bref, on va se concentrer, on s'en bat les steaks. On se dira qu'on a du temps à gagner là-dessus, et puis voilà. Donc on a 3 coques et 2 ponts à trouver. On n'a pas besoin de prendre du sel, on n'a pas besoin de prendre de quartz. On n'a pas besoin d'or en plus. Je vais me regarder vite fait autour avant de monter dedans. Ah bah tiens. Il y a 2 coques à mes pieds. Donc une coque et 2 ponts, il me manque. Une coque. Ok, on a la coque. On a un pont. Il me manque un deuxième pont. Un pont, un pont, un pont, un pont. Non, ça c'est une coque. Merde. Ah oh, parfait, un pont. Ok, on a un cycle. On a un cycle. Non. Le même glitch, que le même bug que l'autre jour. On peut peut-être l'avoir. Ok.
on a tout l'or, ça c'est cool. Bon, on avait bien tout pris avec nous. J'ai eu un doute pendant un moment. Ok, on dépose ça. On prend tout le lithium. Allez, s'il te plaît. On prend tous ces trucs-là. On prend ça aussi. Alors il me faut 1, 2, 3, 4, ok on les a. On peut mettre ça, on peut mettre ça. Il nous faut un lube. Il nous faut 3 lingots de titane, 4 plombs, un lube, une puce, une batterie, ok. Un lube, une puce, voilà. Ah non, pas du tout. Oh, la vache. Bon, normalement c'est un PB. Hein. Ok, donc j'ai tout. Donc je peux faire ça. On va par là. Alors on sort un peu hors de l'eau pour pas que ça bug, parce que quand t'as le super sea glide, le déploiement il bug. Nos stress, tu cherches quoi? Je vais pas t'expliquer. Non, je veux juste être sûr, mais j'ai un milliard de trucs qui me traversent la tête du coup. Alors on prend tout le soufre, on prend tout ça, on prend... tout ça aussi. Et on prend, on n'oublie pas, 1, 2, 3, bon, on va prendre 4. Normalement j'ai tout. Si je vérifie, ouais. Bon, ça sera pas mon 48 de ce matin, mais ça sera quand même un PB. Enfin, si j'ai pas de mauvaise, si j'ai pas de mauvaise surprise. Ça sera mon sub 50, pour sûr. Attends, non, ça va là, c'est ici. Casse-toi! Putain, ma souris elle est sortie de mon écran! Ma souris elle est sortie de mon écran! C'est chiant quand c'est pas. Quand c'est borderless, c'est super chiant. Ça va être juste, hein. Ça va être un 49, peut-être 30, 49, 40. Ouais. 49, 40, probablement. Oui, oui, c'est volontaire. Bah oui, oui, tu le... T'as pas envie de déplacer ta bête véhicule et vu que le jeu, il l'accepte... Ah bah l'aurora pète, tiens. Emergency. A quantum detonation has occurred.
Oh, ça, même, eh, ça se trouve, ça va être juste, hein. Je vais peut-être même pas avoir mon sub 50 en fait. Je pensais, mais je vais peut-être même pas l'avoir. Oh, je le crois pas, je vais pas l'avoir. Je le crois pas, je vais pas l'avoir. Oh, cette blague! Oh, cette blague, c'est vraiment juste histoire de dire j'ai mon sub 50 quoi, n'importe quoi.